comme je dis, vous et moi, ce soir, nous allons couper des têtes, des mains, des bras, et mon pénis. Allez, on va sur Bordeaux. La coupure net. Je veux que vous retrouviez une unité familiale parce qu'il n'y en a pas. Mais mets pas tes doigts sur les écrans! Mais qu'est-ce que tu fais? Robin des Bois. Allez, go, c'est parti. Robin des Bois, il est parmi nous! Ouais! Il est plus parmi nous! Ouais! L'arrêt sur image que je viens de faire! Oh, c'est magique! Oh, c'est putain de magique! Moi, je veux que tu respectes maman. Merci. Qu'est-ce que tu réponds? J'étais fière de toi. Oh, fils de pute, tu m'auras pas avec ta putain de potion de ses morts! Je te baise, Marc Dutroux, je te baise! Putain, j'ai une crampe au bras! Reposez-vous bien. Oui. Oui. Moi, j'ai profité de Kylan quand on a eu notre deuxième enfant, Ronan. Tu sais, je connais des mecs qui sont parents, hein. Pourtant, ils sont très bons sur Faceit et même ils ont jamais joué, hein. C'est pas la fin du monde. On est pas là pour juger le rank des autres, hein. Ceux qui jugent le rank des autres, c'est les. Yes! Putain, yes! Yes! Putain, yes! Évite de courir, gros, il a des marques par terre quand tu cours. Il recherche ses bouteilles, il est sur le gène là. Hop, là, il va dans le bâtiment. Ah, il m'a vu. Ouais, tu peux l'observer, tape. Il a plus, j'arrive. Il m'a vu, ce fils de pute. Il m'a vu. Va pas en bas, gros. Vite, remonte, parce que là, il te tue, t'es fini. Oh merde. Hop là, shaker. À ta droite, t'as une fenêtre. Ah, oh, fils de pute, fous-moi la paix, bordel. Enculé, t'es mort, je te baise. Est-ce que je suis le plus beau de tous les temps? J'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot magnifique. C'est votre portrait tout craché. Je fais chier, je coupais. Ah, salut, je me casse. Le con. Le truc, c'est que bah, j'ai tout avoué. J'ai dit oui, j'ai merdé. Des châteaux. On va se battre pour les Mordor. On va se battre pour. On va se battre. Vous et moi. Allons nous battre. Jusqu'à 4h du matin. Oui, parce que c'est le planning, mesdames et messieurs. La réconciliation passe avant tout par le dialogue. Notre éducateur a donc décidé de les confronter l'un à l'autre, au risque de voir le face à face dégénérer. On va niquer des darons. Pour l'Alliance. Et pour la Horde. Et pour les nains. Et pour mon pénis. Le mec qui a confié coller la question. Je crois qu'il y a Dwight qui s'endort sur son live. Eh hey, gros sac à merde de Dwight, réveille-toi là. Elle chauffe. Arrête de ta dormir gueule. La branlette ça paye. Ah. Ouais, je me bats bien. En gros, tu fais la fin qui tient tête là. Bah pour t'aider, pour te. Eh hey, bah tu pars, cousine. Ah oh. Pas de tête là. Bah, je allez. Tête parce... Allez, tiens le coup, Dwight. Ah, ah, il fait l'amour. Mais j'ai pile poil. Je me suis dit, bah finalement, c'est bête de les empêcher de vivre pour si peu, quoi. Vous devez... Ils ont été où? Ils ont été en LAN, hein. C'est pour ça qu'ils les ont appelés Nolan et Alan. Oui. La blague est découverte, vous pouvez m'appeler. Bah ouais, donc en fait tu fais partie des premiers sur R6. Ouais frère, on perce, on commence à percer dans le Twitch game, hein. Mais mec, je te jure, hein, si je viens certifier mon gars d'ici 3 mois, mec, je me coupe une couille, hein. Non, oh, oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai dit, je n'ai rien dit. Voilà, ça c'est moi quand je réussis un clutch. Il manque 10 points pour Gryffondor. Hermionus, Aninus. Et 50 points pour Gryffondor.
devez rester vivant. Pour vous, c'est moi. On a encore besoin de vous. Et c'est pour cela que vous avez l'honneur et le privilège de rentrer dans l'église. L'église du Saint-Père. On a besoin de vous. Vous seul avez la capacité de rester vivant jusqu'à au bout. Un trésor de live encore à dire. C'est quoi, vous allez dire? Nous avons besoin de vous, bordel de merde. Oh, et la branlette ça paye, 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 la branlette ça paye. Bon, mais je dois encore aller chier, hein, j'en reviens. J'en reviens pas. Peut-être pour certains c'est rien, mais ouais, je fais souvent le con, je fais l'imbécile. Putain, moi qui me plaignais, ouais, j'ai 3-4 viewers, ça avancera jamais, j'ai plus de boulot, ma vie c'est de la merde. Je suis tout seul en France, j'ai aucune communauté, j'ai personne pour m'aider, j'ai rien. Rien que de ce soir, les gars, vous m'avez... Vous m'avez prouvé le contraire.